Sur les powerplay, les infériorités numériques, on prend deux buts en infériorités numériques qui nous mettent dedans. On a 4 minutes de 5 contre 3, on n'est pas capable d'en mettre un. Donc voilà, le match, c'est pas compliqué à analyser, on perd là-dessus. We'll be right back.
infériorité numérique. Et nous, en piqué, on n'a pas été très bon. On est tombé sur un bon subco aussi. Je pense que c'est ça qui a fait la différence, et c'est les jeux de powerplay. Ouais. On avait l'impression qu'ils étaient plus à l'aise physiquement. Est-ce que c'était le cas ou... Moi, je n'ai pas trouvé personnellement. Non, je pense pas. C'est vrai qu'ils ont eu. Ben c'est vrai que quand tu mets un peu plus de rythme, quand tu patines un peu plus, t'as les rebonds qui viennent, t'as les palets à 50-50 qui te reviennent dans la palette, donc ça accentue un peu. Mais non, le rythme a été cassé parce qu'il y a eu beaucoup de prison, on n'a pas réussi à mettre notre rythme. Mais essentiellement, ça a été en power play. 5 contre 5, je pense qu'on faisait jouer égal avec eux. Et puis... We'll be right back.